les Palestiniens. Ils se sont mis à surveiller les gens. À surveiller les gens quand ils dorment. À surveiller les gens quand ils mangent. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous faire actuellement avec les problèmes qu'on a en France, avec le Covid et les contrôles passe sanitaires et l'euro numérique aussi, c'est pour nous contrôler. L'euro numérique, comme ces gens-là, ils ont accès à vos comptes bancaires, ils savent que vous avez des milliards sur vos comptes. Ils savent que les gens, ils ont leurs économies sur leurs comptes. Alors ils ont décidé de leur voler, de leur piquer l'argent. Ils ont décidé de faire de nous des esclaves. Et ils ramènent de plus en plus de gens de pays pauvres. Et les gens, ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de politique. Dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, ils donnent des cours d'éducation sexuelle à nos enfants, alors que dans la rue, tout ça, c'est interdit. Ils sont en train de changer notre société et d'en faire une société d'esclaves. Ils sont en train de prendre le contrôle du monde. C'est pas simplement de la France. La France, c'est juste un relais. La France, c'est là où on est tous devenus des citoyens. C'est là où on a pu vivre, où on a pu lever la tête. Même en Amérique, tu n'as pas les mêmes avantages qu'en France. Même les Américains, ils veulent venir en France pour être protégés par nos protections sociales. Vous ne savez pas la chance que vous avez, mais Macron est en train de détruire tout ça. Et maintenant, il faut que vous vous battiez. Il faut que vous battiez avec nous, c'est que quand on va en finir de Macron, vous allez voir comment qu'on va pouvoir aider les Palestiniens. Mais là, tant que vous restez de votre côté, que vous manifestez tout seul pour la Palestine, ça ne marchera pas. Le problème de la Palestine, c'est Macron. Le problème de la Palestine, c'est les USA. Regardez les USA. On a voulu arrêter le massacre là-bas. Les Américains, ils ont utilisé leurs trois étoiles. Et il n'y a personne sur Terre qui a rien dit. Normalement, un droit de veto, tu dois l'utiliser que pour les choses graves, le trafic d'armes, le trafic de drogue, au niveau économique. Mais là, il y a un génocide. On est en train de massacrer des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes vulnérables, des gens malades. Et on demande un arrêt des combats. Et qu'est-ce qui se passe? Les Américains, la pire ordure du monde, ils mettent leur droit de veto pour qu'on puisse massacrer les femmes et les enfants. Mais c'est quand que vous allez vous réveiller? Regardez, on a payé les autoroutes. Sarkozy, il a privatisé les autoroutes. Il n'y en a plus d'autoroutes. Hein? Sarkozy, il a fait les auto-entrepreneurs. Il n'y a plus de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. La sécurité sociale, les allocs, c'est fini! Hein? Et Hollande, lui, il a fait des milliards et des milliards de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Il y en avait pour 45 milliards. Hein? Et là, maintenant, Macron, notre Mozart de la finance, il devait nous sauver la France. Il a vendu toutes les grandes entreprises françaises. Même la société Dassault. La société Dassault, hein, et Dassault, monsieur Dassault, c'est un juif, hein. Mais attention, Dassault c'est un juif français, comme moi je suis musulman français, c'est-à-dire il n'y a pas de discours. C'est pas un sioniste, attention tu vas casser ta tête. Ce n'était pas un sioniste monsieur Dassault, c'était quelqu'un de très bien. Eh bien dans les usines Dassault, ils veulent que la société Dassault construise des F-35, là, leur avion de merde là, qu'ils ont fabriqué, d'accord? Nous, on sait que le Rafale, c'est un des avions le meilleur du monde, mais par manipulation, la CIA, elle a réussi à manipuler les chiffres. Ben non, le Rafale, il est derrière, là-bas. Arrêtez de continuer d'accepter tout ça. Si on en finit de Macron, on en finit de toute nos misères. Si on en finit de Macron, il y a beaucoup de choses qui vont changer en France. Mais par contre, il faut qu'on se mobilise tous ensemble. Si on n'est pas tous ensemble, à la même heure, au même endroit, on n'y arrivera jamais. D'accord? Moi, ça fait 5 ans que je suis gilet jaune. Après avoir été gilet jaune, j'ai été chez les CSP. D'accord? On n'arrête pas de militer, on n'arrête pas, mais chacun il milite de son côté, tout seul. Il faut arrêter. Maintenant, il faut qu'on fasse des manifestations.
l'exploitation, 200. Les Palestiniens, c'est pareil, vous allez les aider avec nous. Vous allez voir là-bas, la Palestine, manifestation pour la Palestine, ils vont tous rentrer, les massacres, ils vont continuer. Ici, il faut faire comme en Angleterre, comme en Amérique. Il faut bloquer les ports, tous les ports en eau profonde. Les ports en eau profonde, c'est ce qui leur permet d'exporter les armes. S'il n'y a pas de ports en eau profonde, tu ne peux pas exporter des armes. Les aéroports, c'est pareil. Il y a les aéroports militaires, il faut les bloquer. Mais ici, vous dormez, vous manifestez une fois par jour, après vous rentrez chez vous. Bon, je suis un peu fatigué, et puis un peu, je suis un peu bourré. Je vais passer le micro à mon ami.